Mais avec Bertrand, on a travaillé sur les couleurs. Chaque morceau a une couleur. Et donc, la différence, c'est que j'ai beaucoup plus travaillé sur les mélanges, en fait. C'est-à-dire trouver la couleur qui correspondait vraiment au morceau. Donc, j'ai fait beaucoup de mélanges depuis 3 jours. Alors qu'avec Tim, j'avais pris plus les peintures brutes. Donc là, il y a des recherches qui sont un peu plus abouties en termes de teinte et de dégradé et de recherche de lumière. Et après, les couleurs en fait, qu'on avait prévues pour tel morceau n'ont pas forcément été mises au moment où je voulais. Mais c'est pas grave parce qu'au final, il y a les formes et les mouvements qui prennent le pas aussi. C'est un combat, quand je parle de combat avec la toile, c'est un combat entre les couleurs et les gestes en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Concernant le choix des couleurs, c'est surtout Aurélien qui avait de toute façon le dernier mot, hein, parce que c'est son tableau. C'est lui qui le crée. En revanche, moi je lui ai suggéré des ambiances et des couleurs en fonction des morceaux. C'est-à-dire que chaque harmonie correspond à une couleur en musique classique. Et après, il y a le système de la synesthésie aussi, qui fait que par rapport à ce qu'on joue, on voit certaines couleurs. Donc je lui ai fait part de moi, mon ressenti sur les morceaux. Et ensuite, il a fait par rapport à ses propres envies, son propre ressenti. Mais c'est lui qui a le dernier mot sur le choix de la composition de son tableau. Alors le choix du programme s'est fait après des discussions avec Aurélien. J'ai fait des propositions de programme, c'est-à-dire que je ne pouvais pas changer les ordres de morceaux d'un programme comme ça, en fait, ce qui est vraiment une hiérarchie dans un programme, il y a une narration qui doit être respectée. Du coup, j'ai fait plusieurs propositions de compositeurs. Il m'a également fait part de ses goûts en termes de composition. Et en fait, c'était un compromis. On a fait des propositions, des allers-retours, et puis au final, on a abouti sur le choix du programme Mozart, Chopin et Brahms.